Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 13 de Mass Effect 2. Alors j'ai commencé comme ça, j'ai popé, j'étais comme ça, je suis merde, c'est quoi ce délire, je suis quoi, je suis où? Ouais, c'est bon, je galérais en fait, je ne me trouvais pas. Donc 13 de Mass Effect 2, il est quelle heure? Il est 15h45 et on est le 3 février 2015. Et nous en rentrons dans... Oh putain, il y a plus de monde que tout à l'heure, non? Que la dernière fois? Je ne sais pas. Alors, la carte. Il est où l'archange? Bon, moi je suis là. Niveau supérieur. Aria. Ah, on ne devait pas aller voir Aria. Je sais plus, Aria. On va les voir. Allez, laissez-moi entrer. Aria. Rien vous attend. Tu regardes quoi comme ça? Un homme mort. Oh oui, j'aime beaucoup ça. Un type que je vais m'emplafonner. Je cherche pas les ennuis. Peut-être que moi, si. Peut-être que vous feriez mieux de vous barrer avant que ça parte en vrille. D'accord, c'est bon, j'ai des trucs à faire de toute façon. Venez, on se tire d'ici. J'adore. De pragmatisme, ah bah oui. Ok, bon, il n'y a pas d'autres personnes à part. Oh, ça va, tu galères pas à courir? Ah, on est où? C'est échappe, putain, je cherche mes fiches. Aria, c'est encore plus droit. Est-ce que c'est en haut ou en bas? Ça a pas l'air d'être en bas déjà. Unicorn. Ah, c'est rigolo ça. Bon, on va aller là-haut. Bah, si on peut au final. Je sais même pas en fait si on va aller là-haut. Ah. Vous voulez parler? Allez voir Aria. Aria. Ah bah c'est toi. C'est assez près comme ça. Pourquoi ce scan? Si vous cherchez des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête. Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega? Je suis Omega. Ah. Ça va ton ego? Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le grand guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain attitré et n'a qu'une seule règle. Obéir. On ne fait pas chier, Aria. J'aime bien elle. J'ai les mêmes règles. On n'aime pas se faire emmerder, ni vous, ni moi. Et sur votre vaisseau, votre avis importerait. Ici, ce sont mes préférences qui comptent. Ouais. Alors je sais pas si je dois vraiment bien t'aimer ou te détester en fait. Bref. Que puis-je faire pour vous? Archangel. Je suis à la recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas le seul? Vous voulez sa peau, vous aussi? Non. Pas le seul. Pourquoi en ont-ils après lui? Ils croient se battre pour la justice. Et sur Omega, la justice n'existe pas. Ça lui pendait au nez. Il a contrarié pas mal de monde. Ça sonne bien. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui, comme c'est intéressant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines inimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui, sa situation actuelle est loin d'être enviable. Mais expliquez-vous. De quoi parlez-vous? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à finir. Ils recrutent des volontaires armés pour les aider. C'est l'occasion ou jamais. Reste à trouver des armes. Non, déjà fait. Excellent. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire.
Bon, ça, on sait qui veut sa peau. Parle-moi de lui. Que pouvez-vous me dire sur Archangel? Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici il y a quelques mois de ça et il n'a pas tardé à faire du grabuge. Ici, chacun n'obéit qu'à ses propres lois. Une orientation politique, qu'Archangel, il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste assez de jugeote pour éviter de se frotter à moi. Ok, bon bah merci. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. Ok, enquêtez du coup. Votre indifférence à mon égard. Un scan et on passe direct aux affaires. D'habitude, on cherche à s'assurer de mon identité. Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Vous auriez pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Omega. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Tout ce qui mérite d'être su, oui. Mais ces informations ne sont pas gratuites. Le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce cas, allez faire un tour dans les ruelles et payer à boire à l'un des mercenaires. Mieux encore, adressez-vous à une danseuse. Elles sont hors de prix, mais vous en aurez pour votre argent. Ne me faites pas perdre mon temps. Ok, bon ben au revoir. Je reviendrai peut-être plus tard. Et je serai là, peut-être. Bon, ok. Arya, ouais, tu me gonfles un peu. Pragmatisme, ouais, évidemment. Donc, chaque fois j'appuie sur virgule, journal Archangel. Trouver Archangel. Voilà, ok, c'est un ami, il s'appelait de l'au-delà. Au-delà. En fait, d'accord. Au-delà, sous-sol. Oh là là. Bah, l'au-delà, on y est là. Donc, faut que je trouve des mercenaires. On va parler au barman. Ah ouais, non, je sais pas comment commander un verre. On va encore vouloir nous retuer. Allez, tiens, vas-y, on leur commande un. Parce qu'on ne nous aime pas ici. On va voir ce que ça donne. On va aller dans l'au-delà. Allez, commande un verre. Allez! Du coup, je vais te donner pour que tu boives. Mais non, pourquoi je le bois? Je vais encore mourir. Ah bah non. Merci. Ok. Mais dis pas que je suis... Alors, faut aller voir une danseuse. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc... Je vais faire un chèque si tu toi. Il paraît que vous recrutez. Ah bah voilà. Enfin, vous voulez? Tu auras ta paye quand le travail sera fait, comme tout le monde. Vous avez pas l'air de plaisanter tous les trois. Vous cherchez de l'action? On cherche Archangel. On cherche à buter Archangel. Bienvenue au club. On paye cash 500 crédits chacun une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent ont droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça a priori c'est réglé. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, des Eclipses ou des Berserkers. T'es freelance, point. Des questions? Pourquoi Archangel? Ça a l'air un peu disproportionné pour un seul type. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est occupé. Maintenant, il est tout seul. Mais il a l'avantage. Il est sur son terrain, et il s'attend à ce qu'on vienne. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tentant de le buter. Il a l'avantage du terrain. Ça va pas être une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Pire que de chasser un Vortcha dans les canalisations. C'est bien pour ça qu'on recrute. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par la voir. Ok, il est où? Où aura lieu l'attaque? À la base d'Archangel. Il se cachait juste sous notre nez, cet enfoiré. Où exactement, j'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe des transports. Ok, bon, on y va. Va-t-on? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Faites entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire? T'as quel âge? T'as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme.
Ne sois pas idiot, c'est dangereux. Tu n'es pas taillé pour ça. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment, petit. Tu me remercieras plus tard. Ok, alors... À la gare... Attends, c'est quoi, j'appuie sur virgule, moi? Pas du tout. La carte, c'est là. Faut aller à la gare routière. Ok. Conciliation, sympa, sympa. C'est par là? Je me suis fait perdre. Oui, c'est par là. Allez, cours un peu, cours. Voilà. Allez, laissez-moi entrer. Aria m'attend. Alors, il paraît qu'un humain s'est incrusté en pleine zone de quarantaine. Il y aurait des cadavres de Vorcha à l'appel là-bas. Drôle de coïncidence, pas vrai? Je vous ai rendu service. Je vous ai épargné une pelletée d'emmerde. Soyez reconnaissant. Reconnaissant, hein? Maintenant, je dois me farcir les esclavagistes qui se plaignent du manque à gagner. Mais ça, je peux gérer. C'est quoi ton boulot? Qu'est-ce que vous faites au juste? Je suis censé surveiller les Vorcha, les tenir aussi loin que possible d'Aria. Ça se résume à ça. Là, je suis un poil au chômage technique. Mais à la vitesse où ils se reproduisent, j'aurai de quoi faire bien assez tôt. Vorcha. Ça grouille de Vorcha ici. Qu'est-ce qu'ils complotent? Des Vorcha complotés? Elle est bien bonne. C'est rien que des parasites. S'ils se mettaient à comploter, on serait tous dans une sacrée merde. D'accord. Je m'en vais. C'était du bon boulot. Continuez comme ça. Ok, bon, pragmatique. Tiens, on est vachement pragmatique. Transport. Ça. L'air d'être là. Ah, toi. Chauffeur sur les bleus, bah parfait. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. Allons-y. C'est quand vous voulez. Montez. Alors, on a combien de temps d'épisode? Oh, ça va, on est large. Il nous reste 7 minutes 30. Oh, quasiment. Alors. Quand tu veux, par contre, Pépère. Merci. On va reprendre la même équipe. On va prendre les deux copains là, voir ce que ça donne, du coup, parce qu'on n'a encore jamais combattu. Enfin, pragmatisme, ça monte à mort. On a 2 points, que 2 points, donc c'est ça. Ouais. Il nous faut 3 points. On va remonter à chaque fois les balles. Les balles. Incendiaire. Enfin, quelqu'un qui a l'air de savoir se battre! On vous a dit contre qui on se bat? J'en sais suffisamment. Dites-nous où aller, on s'occupe du reste. Archangel se planque dans un bâtiment en bas du boulevard là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Surtout avec moi. Je vais me le faire. Montrez-moi ce pont. Vous êtes motivé, c'est bien. On a un plan à respecter. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel. Pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. Du suicide, pur et simple. Ouais. Et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la troisième barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. Ok. Ok, bon, on y va direct. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de freelances. Entrez. Pas de problème. C'est sortir qui sera problématique. Quelque chose en son. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Voilà. Bon, on passe le pont, il n'y a rien à parler ici. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Ok. Bon. Parallèlement à la première vague, l'équipe d'infiltration... J'ai parlé à la garde pour compter sur lui, ces hommes, cette opération doit réussir. Les gars ont besoin de ça pour se remonter le moral. Avec toutes les pertes que nous avons subies récemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse exécuter le prochain contrat. Cela dit, une chose est claire.
Aucun de nos organisateurs ne peut attaquer Arya sans le soutien des deux autres. Ah. Donner le datapad à Arya. Je n'attends pas grand chose des freelances. Avez-vous besoin de moi? Qui êtes-vous? Vous êtes le leader d'Eclipse? Vous avez trouvé ça tout seul. Je m'appelle Jaroth, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, freelance? Archangel. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout. On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous et vous serez fixé. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Puis-je faire autre chose pour vous? Ouais, des détails. Qui est-ce? D'où vient-il? Ça, même ces hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. Ouais. Enquêter. Non. Bah écoute. Non, au revoir. J'y vais. Bonne idée. Je suis déjà parti. C'était une porte, ça aussi. D'accord, ok, c'est de là d'où je viens. Bon, bah on va voir ça. J'aimerais bien avancer un petit peu là pour le récupérer. Mais c'est de là que je viens, bordel de merde! Oh, le mec complètement perdu. Oui, j'ai fait deux tours sur moi-même et je suis perdu. Donc c'est là. Toutes les routes se ressemblent aussi. Ok. Alors, terre. Putain. Voilà! Somme toute assez simple. Paramètres de visée reconfigurés. Ça devrait les ralentir. Il va abattre tout ce qui est à sa portée, allié comme ennemi! Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ok. Petite ligne blanche au début. Et c'est celle-là. Et ensuite, deux oranges. Deux oranges, on a dit. Ah, elle est là. Ok. Ouais, facile, hein. Immense 0, 4000 unités, c'est génial. Donc ça, ok. On fait demi-tour. Avant que je me repaume. Et c'est de par là, donc. Il faut aller voir le colonel qui est là. Garm. Tiens donc. Au mauvais endroit, freelance. T'es qui? C'est vous, le chef des berserkers? Je m'appelle Garm. Le reste, ça te concerne pas. Alors? Qu'est-ce que tu fais avec cet humain, petit? Et alors? C'est le guerrier le plus puissant que je connaisse. Il devrait apprendre auprès des tiens. Il est entre de bonnes mains. C'est le meilleur de son espèce. Il n'a rien d'autre à savoir. Bah! J'en doute, mais c'est son choix. Je suis coincé là à attendre que les freelances aient fini de jouer à la guerre. Pose tes questions et casse-toi. Archangel. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que c'est un bel enfant de salaud. C'est un Turien. La seule un Turien. Race plus moche encore que les humains. Et il a du cran, faut lui reconnaître ça. Jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Ah, vraiment? Vous avez déjà eu affaire à lui, on dirait. Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ça a été le combat le plus long de ma vie. Mais j'ai tenu le coup jusqu'à ce que mes gars appliquent. À partir de là, il emmenait pas large. J'ai failli l'avoir. Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer. Ok, berserker. Qu'est-ce que font les berserkers sur Omega? On fait le sale boulot, on va dire. Ceux qui veulent être protégés ou se débarrasser de quelqu'un, c'est nous qui viennent voir. Ouais, les berserkers sont partout sur Omega. Tout le monde nous adore et tout le monde nous déteste. Archangel le premier. J'ai l'impression qu'Archangel se contente de vous détester. Ce qu'il pense de nous, cet enfant de salaud, je m'en bats le carré. Et il me coûte des hommes. Il me complique le travail. C'est moi qui vais le descendre. Je suis le seul à l'avoir affronté face à face. Ouais. Vous l'avez combattu? Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ah, bon, ben, c'est ça, on sait. À partir de là, il emmenait... J'ai failli l'avoir. Ouais, on sait. Mais ce fumier s'est ouais, écoute, fait la main, merci. On arrive à le coincer. Il faut que j'y aille. Il était temps. Il n'y a pas de trucs à récupérer, là.
Oh la gueule des berserkers. C'est violent. Oh putain, putain, il finit. On avance encore un petit peu. Ah. Me dis pas que c'est lui là-bas là. Tout seul. Bon, on ramasse. Blanc, espace. Orange. Oui, j'ai un peu peur à moi. C'est ça. Oh, facile. Mais j'ai récupéré quoi? Parfait, c'est une clé intégrale autorisée. 6000 crédits. C'est super. Bon, on va se bloquer là, du coup. Voilà. Je fais la sauvegarde suivante. La sauvegarde 14 pour l'épisode 14. Moi, je vous donne rendez-vous pour la suite. Donc, on a dit samedi. Non, on est Mass Effect. C'est... Bah non, c'est jeudi, Mass Effect. Je suis perdu. Oui, vu que je le tombe carrément en avance cet épisode. C'est chaud. Voilà. Donc rendez-vous pour la suite. Allez, tout le monde. Bouclier perdu.